là, bonjour et bienvenue sur ce concept de vidéo en deux épisodes. Vous êtes actuellement sur le premier et le second sera sur la chaîne de Joyka à partir de demain. Si vous regardez cette vidéo à l'heure, bon, si vous êtes un petit peu en retard, et bah du coup il est peut-être déjà disponible dans la description. Le concept de ces deux épisodes est complètement incroyable. Mesdames et messieurs, nous sommes trois équipes de deux. Mais regardez qui arrive pendant que j'étais en train de faire mon intro. Oui. Oui, je l'ai pas encore dit, dis-le. Oui. Savez-vous pourquoi il imite cette personne que vous avez certainement reconnue? Je sais pas. Bah parce qu'en fait, le premier épisode sur ma chaîne et le deuxième épisode sur ta chaîne sont présentés par... Je m'attends à être très surpris là. Bah je pense pas, parce que tu as fait très très bien l'imitation. Julien Lepers. Bon, au pire, on y va. Vas-y, moi je reste 2 minutes après j'y vais. Ouais, réfléchis un peu, ouais. Réfléchis un peu peut-être au choix de vie qui t'ont mené là, parce que là, ça, c'est le genre de journée où ça mérite peut-être un peu réflexion. Tu fais ça et j'arrive. Je répète l'info, Julien Lepers va présenter en fait le concept sur ma chaîne et sur ta chaîne. Ouais. Tu réfléchis. Oui. Jordan, quel est le concept de ces vidéos? On va partir en quête de composants informatiques pour créer un setup gaming le plus beau, le plus esthétique possible. Voilà. Au moindre coût, c'est-à-dire 150 euros. Dans cet épisode, nous allons partir en trois équipes. La première équipe, vous l'avez sous les yeux. Observez-la. Vous avez compris? La deuxième équipe, c'est Neoxy et Cyril. La troisième équipe, c'est Michou et Le Bouzeux. Les trois équipes vont partir autour d'Angers chercher leurs composants informatiques pour pouvoir composer leur setup gaming, le meilleur setup gaming. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est une campagne de publicité, voilà, à la télévision. Oui. Bah, c'est-à-dire que là, en fait, si on gagne, par exemple, avec Jordan, vous nous verrez à la télé. Oui, voilà. Vous nous verrez à la télé. La télé, tu sais, le truc dans les salons des gens. Ouais, on va acheter un encart finalement entre deux émissions. C'est ça. Épisode des Simpsons. Et vous nous verrez comme ça et on dira abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Mais à la télé. Ça, c'est fou. Cette vidéo, pourquoi on l'a fait? Parce qu'elle est sponsorisée par Shadow. Shadow, c'est du cloud gaming, c'est-à-dire que la puissance de gaming, le logo est ici, oui. La puissance du PC gaming n'est plus chez vous dans votre tour, mais déportée dans un cloud. Ce qui fait que sur un PC complètement éclaté au sol, eh bien vous pouvez faire tourner les derniers jeux. Et c'est ça qui a donné naissance au concept de ces deux émissions. Puisqu'on va devoir choper des composants, éclater sa mère, oui. Pour faire un setup, éclater sa mère, mais quand même un peu stylé, parce que le but c'est qu'il soit stylé, pour faire tourner les derniers jeux. Et voilà, ça a donné l'idée de ça. Finalement, le but c'est un petit peu du DIY, il va falloir en fait avoir le setup visuellement le plus beau possible, ouais. Tout en sachant qu'à l'intérieur c'est des composants de 2010. C'est vraiment de la daube incroyable. Mesdames et messieurs, on vous laisse tout de suite avec Julien Lepers, on a beaucoup trop parlé. C'est parti pour deux épisodes, vous êtes sur le premier. Oui. Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes amis, un immense bonjour. Eh bien c'est Julien Lepers qui vous retrouve pour un truc de ouf, mais un truc de ouf total. Je vous souhaite la bienvenue. Effectivement, aujourd'hui, on va se retrouver sur la chaîne d'Amixem pour le premier épisode d'un défi vraiment très spécial et très original. Avant de vous présenter le concept, laissez-moi vous présenter les différents duos qui vont s'affronter. Trois duos pour commencer. Merci d'accueillir Joyka et Amixem sur le plateau ici. On peut les applaudir, vous appelez. Ici dans l'espace commentaire. Et comment il va, Joyka? Ça va très bien avec toi, Julien. Tout va bien, c'est pas trop dur la vie? C'est un plaisir. Bon, Amixem, ça peut aller? Oh, c'est un plaisir de t'avoir. Mais un truc de fou, ça c'est sûr. Alors on va expliquer le concept dans un moment. On va d'abord accueillir le deuxième duo. Deuxième duo qui est composé de Cyril et Neoxy. Applaudissements, s'il vous plaît. Un petit sec. Alors Cyril, évidemment, Cyril. Ça fait plaisir. Comment il va, Cyril? Ça va très bien. Neoxy, la casquette, tout. Ça va. En forme. Donc ça fait combien? Ça fait un duo, ça fait deux duos, il en manque un autre. Donc mesdames, messieurs, merci d'accueillir le dernier duo composé de Michou et Le Bouzeux. Ah oui. Michou, Michou. Ça va ou quoi? Ça, je sais que c'est toi, arrête. Le Bouzeux, c'est très bien. Très beau nom, Le Bouzeux, hein. Très bien. Malgré les contraintes imposées, votre but sera de proposer le plus beau setup et de le rendre capable de faire tourner les derniers jeux. Là, je suis clair. On est d'accord avec Sam ou pas? Oui, totalement d'accord. Cyril, t'es d'accord ou pas? Moi, je suis d'accord. Ouais. Michou, t'es d'accord ou pas? Complètement d'accord. Lors de la première étape de ce challenge sur la chaîne d'Amixem, il vous faudra partir à la recherche de tous les éléments informatiques nécessaires pour constituer votre setup. Pendant la deuxième étape sur la chaîne de Joyka, il vous faudra monter et customiser votre setup avant de lui faire passer trois épreuves. C'est à l'issue, messieurs, à l'issue de ces trois épreuves que nous aurons la décision finale, le verdict final, et nous découvrirons ensemble l'équipe gagnante. L'enjeu est de taille puisque cette équipe gagnante aura l'immense privilège de réaliser une campagne publicitaire diffusée en prime à la télévision afin de promouvoir leur chaîne YouTube. C'est stylé. Ce spot télé est réservé à l'équipe qui remportera le plus de points. Merci à tous. Pour moi, c'est clair, tout va bien pour le moment.
Attends, c'est pas fini. Avant tout, on va commencer par le, bah évidemment, le début de ce challenge, à savoir la quête de vos composants et périphériques informatiques. Mais comment est-ce que vous allez faire? Chaque duo dispose de 8 heures. 8 heures pour parvenir à récolter les meilleurs éléments qui vont permettre la confection du setup. C'est-à-dire au minimum une unité centrale, un écran, un clavier. Qu'est-ce qui manque? Une petite souris. Une petite souris, évidemment. Bon, à la fin de ces 8 heures, le premier duo arrivant à la Redbox ici se verra attribuer 5 points. Les seconds, 3 points. Pour les derniers arrivants, 1 point. Si vous arrivez hors délai, c'est foutu. Aucun point ne vous sera attribué. On est bien d'accord là-dessus. Ah ouais, c'est le coup dur. Attends! Pour ce faire, je vais distribuer dans un moment. Je vais distribuer à chaque... Oui, donne-moi les enveloppes. Merci. Donne-moi. Donnez-moi. Et donnez. Je vous le rendrai. Attends, arrête, okay, parce que là, on est sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais distribuer à chaque équipe une enveloppe dans laquelle se trouve un budget, un type d'unité centrale imposée et une feuille de route pour partir à la recherche de vos ingrédients numériques dont je viens de parler. Attention, vous pouvez aussi faire appel à votre communauté. Vos abonnés vous seront peut-être d'une grande aide pour cette première étape. Les enveloppes maintenant. Alors là, il y aura dedans la feuille de route et le budget. Chaque duo, le même budget évidemment. Pause, petite voix off pour résumer cette séquence parce que franchement, entre nous au montage, elle était un petit peu longue. Sachez que chaque équipe a une contrainte quant au dispositif sur lequel elle devra faire tourner Shadow. Jordan et moi, on devra proposer un setup avec une tour gaming. C'est une contrainte parce que ça coûte super cher ces conneries. Et on n'a pas les moyens. Neoxy et Cyril ont quant à eux la contrainte de faire tourner Shadow sur un appareil de moins de 500 grammes. Ça rentre dans le budget, mais c'est galère à trouver. Michou et Le Bouzeux devront quant à eux faire tourner leur PC Shadow sur un dispositif tactile. Voilà, vous avez les contraintes, je rends la parole à Julien Lepers. Putain, c'est quand même stylé de dire ça. 8 heures, 150 euros. Je déclare la première étape ouverte, c'est à vous de jouer maintenant. On se retrouve à votre retour, donc dans 8 heures. Mes amis, pour cette première manche, top départ! Moi, je pense que, tu vois, on peut peut-être juste acheter des composants, tu vois, et essayer d'assembler ça, et trouver une tour improbable, tu vois, pour économiser le prix de la tour, tu vois. Qu'est-ce que tu dis, Charles, toi? Il y a le petit Loireco Distribution, le petit magasin d'info d'occasion. Petit quoi? Quoi, pardon? C'est en train de débriefer, j'entends que le moteur tourne à côté. Ça va vraiment être chaud. Je veux pas du tout perdre cette vidéo-là. L'enjeu, il est beaucoup trop fort. Et le Bouzeux Michou, c'est des. Parce que nous, on est des anciens gamers. Nous, avant, on était gamers. Maintenant, on n'est plus du tout gamers. Eux, ils ont du water cooling à la maison, tu vois ce que je veux dire? Ils ont un PC, c'est le prix de cette automobile. Donc bon. La solution, c'est d'aller sur YouTube. Ah, j'ai un truc là, Compute Stick de Intel. Et ça, le Intel Nuke. Vous dites quoi? Un ordinateur là-dedans? Eh bien oui. Quoi? Un ordinateur là-dedans? Et ça, ça va être trop dur de le trouver. Ouais, parce que personne ça, à ouais, ça. Ouais, je pense que c'est hyper galère. Il y en a plein. Hein. Il y a le Intel Nuke. Wow. Combien? On est à 300 euros là. Ça va être chaud. Ouais, j'avoue là. Ouais, donc le plan. Là, on se pose 2 minutes, on fait des stories. L'objectif, ça va être de racketter les abonnés. On leur dit, vas-y, je fais une photo avec toi. En échange, tu me donnes ton iPad. Exactement. C'est exactement. C'est comme ça qu'on négocie. Donc on a un micro expert là. Vas-y, on y va, on voit. Hein. Sinon, il y a micro service. Vas-y, on tente micro service, c'est mieux. Micro service, nous voilà. On s'en va. On va chercher notre beau PC. Ah ouais, merci. 150 balles pour tout le setup. Il va falloir négocier là. Faut compter sur les abonnés. Hein. En vrai, je suis sûr, il y a des abonnés. Les abonnés, ils sont trop chauds pour ce genre de trucs en général. Ah, mais ça, un mini PC là. Ah ouais, non, pas pour le mini PC, mais peut-être plus pour l'écran. Ouais. Ouais, pour l'écran, clavier, souris et tout, là-dessus, ils peuvent grave nous aider, je pense. Tous les potes, je suis avec Mig. On doit faire un setup, les gars, un setup gaming. S'il y a des abonnés qui ont des petits trucs à des pannes en échange de... Nous, on a 150 euros, donc on peut toujours... Voilà, n'hésitez pas, vous avez les DM, ils sont ouverts. Qu'est-ce que vous faites? Ça va, les gars? Que viens-tu faire ici, là? T'as vu notre story, toi, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Elle est pas encore publiée, frère. Juste mettre les trucs là. T'as vraiment juste bougé un truc. Ça me met étonnant que tu sois venu pour ça. Ouais, ça me fait mal au cœur. J'ai pas de voir un truc. Ah, ok. Ok, je vois, t'es un peu maniaque, ouais. Ouais, voilà, c'est tout. Ouais, bah, bon courage, hein. Bon courage, les gars. Ouais. Je crois en vous, vous êtes les meilleurs. Ouais, c'est vrai, ça. On a 49 minutes pour aller à Loireco Distribution. C'est mec, déjà, la commune, tu es prêt? Tu es bien accroché à ton volant? Ouais. Saint-Jean de Lignière. Oh, j'ai eu des remontées gastriques. La stratégie. C'est que là c'est un magasin et tout, faut qu'on joue sur la pub, tu vois. Donc on va juste lui expliquer le concept, l'opportunité pour son magasin. Et une fois qu'il est chaud, c'est là où on dit ok, bah là il nous faut un clavier, il nous faut okay, ouais. on dit pas avant, tu vois. Bon, pour le moment on n'a pas vu la voiture de Max et ouais, Jordan, y a personne ici pour le moment. Au départ, quand on a eu l'annonce avec le PC à 500 grammes, trop compliqué, putain. Bah, moi, je partirais sur le truc du Raspberry, là, enfin, l'espèce de petit truc, là. J'ai jamais utilisé ça, donc je sais pas ce que ça vaut, ce que ça donne. Mais ça vaut pas très cher, donc il y a moyen qu'on ait des abonnés qui s'y connaissent un peu en informatique et qui potentiellement pourraient avoir ce genre de choses.
Ça sert à rien, ils ont que du neuf. Faut oublier, je pense, les magasins là, il y a que du neuf. Faut qu'on aille directement à un cash converter pour gratter. Mais pour le boîtier, ça va être chaud. Hein. Ça va être tellement galère. Moi, c'était tout prévu là. Moi, on arrivait ici, on nous donnait la petite Raspberry. Qu'est-ce qu'il fait lui? Toi, tu vas te calmer, mon pote. Hé, hey, gros, t'as pas une Raspberry en rab? Ouais, d'accord. Pour la prochaine fois qu'il me lâche un comme ça, oh, t'es ouf quoi toi. Mesdames et messieurs, on arrive à Loire Eco Distribution. Loire Eco Distribution, sincèrement, le nom m'inspirait pas. En réalité, c'est assez cool. Écoute, ça a la tête d'un truc où on va pouvoir trouver au moins un élément. Oui, je pense. Oh, yaï, 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 yaï. Oh, yaï, yaï. Je viens de lever la tête et je viens de voir juste un écran. 48 euros. On est dans il est totalement beau en plus. Il est genre classe quoi. Ouais. Regarde-le avec ses stories, professionnel. Moi je vis, moi. Je bois de l'eau, je vis. Bonjour madame. Je lui fais un coup de main, moi, la dame, s'il faut. Les gens comme ça, je les aide. Je voulais juste ne pas la boire. Ça, c'est un PC. En fait, ça, c'est pour la team de Cyril. Et ça vaut 40 euros, mec. Combien de poids ça pèse? C'est ça qu'il faut déterminer, en vrai. Est-ce qu'il y a l'application iBalance? Attends, je la lance. 230 grammes. Ouais. Non, mais en vrai, mec, c'est incroyable. Ah oui, par contre, c'est incroyable. Il faut pas qu'ils viennent là. Hein. Ah, faut pas qu'ils viennent là du tout. C'est vraiment exactement le truc de la contrainte du duo de Cyril et Neoxy, c'est abusé. Je connais pas l'Argus du P7-3742B 1080p, mais je pense que 48 euros, on peut trouver moins cher. Oui, j'écoute. Ouais, Léo, ça va? Ouais, j'ai besoin de toi là, je suis sur un tournage. Et on a pour objectif de faire un setup avec une tablette ou un téléphone. Il faut un téléphone avec un truc USB-C ou une tablette avec un truc USB-C et un adaptateur qui fait HDMI, USB. Bah ouais. Bah ouais, non, ça doit pouvoir le faire. Ok, vas-y, bah merci. Je t'en prie, mec. J'ai un abonné qui a un petit clavier RGB. Ça peut être sympa, il a 15 minutes d'Angers. Salut, mec, j'ai un clavier RGB. Oh, j'ai le même que toi, eh. J'habite à 15 minutes, machin. Demande-lui une petite photo. Il y a Aubin, là. Il va m'envoyer une petite photo de son clavier, là. Il m'a dit, ok, faut que ça fuse. Ouais, qu'on fait ça alors qu'il flotte et qu'on pourrait être dans la voiture. On aime souffrir. À 15 minutes d'Angers, il m'envoie la photo. Le clavier RGB, c'est celui-là. Ça peut le faire. Vraiment en dernier recours. Ouais, voilà. Ok, j'ai peut-être un truc là. Si tu veux, j'habite juste à côté de la Redbox, j'ai un écran insert. Je lui dis, c'est vrai ça, mec? Ouais, je te donne l'adresse où tu veux que je vienne. Je prends le bus, j'arrive. Il arrive, gros. Il est dedans. Mais non, regarde, il m'a envoyé une photo. Je suis mort. Le mec, j'ai contacté il y a quoi? Il y a 2 minutes 30. Attends, il a déjà mis son sac et il attend le bus là. Mais il est trop chaud, mec. En 2 minutes, on va déjà avoir un écran. Oh non, les gars. L'abonné sur lequel on était depuis tout à l'heure, là, qui nous a dit, vas-y, je prends le bus, j'arrive, j'ai mon écran à sœur. On avait mis tous nos espoirs sur lui. Là, il nous met, je t'ai pranké. On va aller chez Elia. Elle a un clavier, regarde. Regarde, ça vaut le coup, c'est pas mal. Oh, ça vaut le coup, oui, c'est gaming, c'est tout ce qu'il nous faut, allez, go. Elia. Elia, quelqu'un? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça me dit pas où est Elia? Salut, c'est Elia, je suis pas disponible, laissez-moi un message. Bah ouais, mais Elia. Quel mépris. Ah, on perd du temps. Je t'appelle concernant ton adresse. Est-ce qu'elle existe au moins, ton adresse? Bah oui. Ah merde, on est rue de Bruxelles devant une Citroën C3 comme tu nous l'avais préconisé. Parce que le 65, il est à quel niveau? En fait, nous, on est au bout de la rue de Bruxelles, tu vois, genre au bout, au stop, tu vois. Il n'y a pas de stop. Genre, tu peux sortir au milieu de la rue, comme ça, on va rouler, puis si on te voit, on te voit. Ok, bah je sors. Tu leur donnes rendez-vous quelque part à Angers. Tous les abonnés, ils viennent tous. T'as pas besoin d'aller chez lui. Ils viennent tous. Tu lui dis, toi, ton clavier, il est magnifique, frérot, je te le prends. Je te le prends, mais je te le prends gratuit. Rendez-vous 13h. Jardin du Mail. 13h. Vous prenez tout ce que vous pouvez nous donner. Tout ce que vous pouvez, mais vraiment donner, hein. Ne donnez pas des trucs qui vous servent. Voilà. Donnez. Là, j'ai un contact, il habite à 20 minutes pour clavier Corsair et souris Logitech. Je lui dis donne l'adresse, on arrive. Ça, c'est parfait, hein. On a du très très lourd, les amis. Enfin, j'espère. Là, on a potentiellement un très bon clavier, une très bonne souris. En confiance de vous. J'espère, il nous troll pas, hein. On arrive chez lui, en fait, j'ai rien. J'espère vraiment que c'est pas un prank, hein. Je pense pas, mec. Là, on va chez lui carrément. De toute façon, si c'est un prank, on le balaye, frère. Allez, go! Non! Quoi? Non, vas-y, ça me rend fou! Non, Bousine, n'y va pas, je t'ai fait une blague, désolé. Waouh, ce qu'il nous a mis là, ça fait mal! Il va falloir des LED et tout, tu vois, il faut de la lumière. Comme le clavier RGB un peu, tu vois, ça c'est bien. Après, on pourra acheter des bandes LED, des trucs comme ça, tu vois. Mais là, en fait, le plus dur, c'est de trouver ce putain de boîtier. C'est trop dur, mec, c'est personne à ça. Ouais. Il y a le 8, il y a le 11. Oui, 12. Va pas trop vite! Mais, on est passé 4 fois devant. Allô? C'est vous? Non, c'est toi? Ouais, je suis là devant. Dans une Clio? Non, elle nous prank depuis le début. Tu nous prank, Elia. Sors de la voiture, vas-y. Sors de la voiture. Bien joué, Elia. Allez. C'est fort. J'en étais sûr, putain. J'en étais sûr, Maxime, j'en étais sûr. Franchement, bien joué. Oh, il a un truc. Oh, il a déjà un abonné à quelque chose. Tu nous as ramené quelque chose, là? Là, j'ai amené ça pour. Un casque. Oh, trop bien. Du coup, tu nous fais ça à combien? 15 balles. Mais ça peut être incroyable comme atout. 10 balles? 15. 5. 10. 10 balles, en vrai, ça peut être un trop bon atout, je pense. On prend un 10 balles? Vas-y, allez, ça part sur ça. Nickel, merci, mec. Oh, mais regarde-moi ça. Oh. Mais regarde-moi ça, oh. Mais ça, c'est... Ah ouais, gros, t'es un monstre.
Oh là là, ah ouais. Mec. Merci beaucoup, mec. J'ai une petite télé. Tu nous le donnes. C'est la pépite, là. Ah ouais, non, mais c'est trop bien, ça. Hein. Mais mec, c'est mais trop ça bien. Fait écran, mais ça fait écran. Oui, ça fait écran. Mais ouais, ça fait carrément écran. Il y a 30 minutes, on avait rien. Il y a 30 minutes, on avait rien. Là, on a tout. Des petits trucs à des pannes en échange de... Nous, on a 150 euros, donc on peut toujours... Ça c'est mauvais, ça c'est mauvais pour les négociations. Je sais pas, des claviers, des souris, si vous avez une tablette... Putain, hein. Eux c'est trop easy. Bah ouais, j'avoue, genre une tablette en soi, ça passe de ouf. Nous, on a trouvé un Raspberry. Personne n'a ça. Pourquoi on a eu ce truc là? L'enfer. En soi, c'est simple mais compliqué à la fois. Genre c'est simple en mode bah t'as juste le Raspberry et voilà quoi. C'est juste que nous en fait c'est simple, il nous faut un truc spécifique. Et si on n'a pas ce truc, ça marche pas. Bon les gars, on a vu sur Instagram que le Bouzeux, Michou, Néoxy, Cyril avaient tous la même stratégie, c'est-à-dire de vous demander par DM de leur donner des choses. Nous on va contrer cette chose là. Vous allez inonder les DM de toutes ces personnes là. Vous leur envoyez n'importe quoi. Vous répondez à leur story, vous répondez par exemple le mot Camembert. Camembert. D'accord, comme ça ils n'auront plus la possibilité de voir si vous leur envoyez des choses ou pas, ok. C'était ça que tu nous proposais? C'est ça. Waouh, wow, quoi. Il est très très bien. On va se faire un petit tour. Oui. Mais déjà c'est incroyable. Nous, ce qu'il faut, c'est juste un PC gaming sur lequel on peut installer en fait Shadow, tu vois. Tu penses que ça fait pas lire une vidéo en 1080p? Ça. Ouais. Si. 89, c'est chaud de ouf. Après, vous aviez quoi en budget? On a 150 euros pour tout. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-dessus. 89, il va faire un truc. Il est avec nous. Applique chez les meilleurs, c'est bon. La négo, ça nous connaît ou pas? Okay, on n'a pas gagné une bataille d'OP. On a gagné une bataille d'OP. Bon. 70. À 70 euros, on a la tour, le clavier, la souris, mec. À 65, je suis ton homme. Il est fort. Il y a une promo à Picache. Hein. Il y a un Picache dans le montage. 65 pour garder 5 euros pour un petit kebab après quand on aura un petit coup. Ah oui. Allez, on fait ça. Bah, je te serre la main déjà. Pas de problème. Là, c'est un. Là, toutes c'est... les branches à kebab me remercient en France. Ok, on a Anis qui dit j'ai un Raspberry Pi, je suis sur Angers, je peux te le passer cet après-midi si tu veux. Est-ce que tu es vraiment sur Angers? Est-ce que tu peux vraiment nous le passer cet après-midi? Vraiment, c'est hyper important. Photo. Mais envoie-nous une photo, mais vraiment si c'est ça, mais c'est fou. Putain, si vraiment il a un Raspberry, alors là, ça serait dingue. Les seules infos que j'ai, c'est qu'il allait à Dubaï en Malaisie. Ça fait pour moi quelqu'un qui a un Raspberry. C'est clairement quelqu'un qui a un Raspberry. Ce PC qui avant servait dans une usine, il va pouvoir, croyez-le ou non, faire tourner GTA 5. Le PC qu'on avait trickshot, c'est pas possible quoi. Bon, on a vraiment abusé quoi. Il avait plus l'appellation PC. Non, il avait plus l'appellation PC. Il datait d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ans. D'accord. Application, j'ai fait écran, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je crois qu'il a peut-être Neoxy aussi. Mais je pense, c'est sûr. Et le moins cher que vous auriez en USB-C, ce serait combien? Attendez, j'étais en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Il a Néoxy. C'est Néoxy, c'est sûr. Vous pouvez me passer deux secondes. Ah non, je passe quelqu'un. Yo, désolé, je vais raccrocher. Hein? Ouais, je vais raccrocher, je suis désolé parce que là, le monsieur il est occupé qui vous a mis au téléphone. Non, c'est bien. Oh putain, mais j'avais pas reconnu. Oh le bâtard. Il est en train de bosser. Je vais raccrocher, je suis désolé parce que là. Oh non, il nous a niqué là. Ils ont été sur le coup avant nous. Quand même stressant ce challenge. Je pensais pas qu'il y aurait autant de stress. Ouais, on est sur l'USB-C là. En vrai, celle-là à 100 euros, faudrait qu'on l'ait à 100 euros. Et celle-là, on peut vous la prendre à 90 euros. J'en discute avec mes collègues. Et en vrai, on aurait dû ramener l'autre PC portable qu'on a. C'est vrai. Bon, on vous fait 90. Ouais. Voilà. Bon, c'est nickel. Bon, là, potentiellement, on a un mec qui pourrait nous filer un iPad mini. Alors, déjà, ça, c'est incroyable. Attends, mais c'est dingue. Genre, vraiment, c'est vraiment un iPad. Il est hyper propre, sa mère. Et moi, je suis en contact avec un dealer de 12 ans là, qui me donne rendez-vous au cinéma. Il veut quelque chose en échange. Ah, il veut vraiment. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'on peut faire, des échanges en soi. L'échange, le problème, c'est que pour le moment, on a rien. Quoi. Il veut une pub de son Insta. Mais attends, il avait l'air d'avoir 12 ans, tu sais, c'est un businessman. Le mec a 12 ans, ouais, c'est pour faire des OP un peu plus tard et tout. J'ai besoin de visibilité ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités qui s'ouvrent à moi là. Putain, mais garde-moi ça, putain. Putain, mais c'est vrai que ça aurait été incroyable. 230 balles. Tu penses pas qu'il nous faut un écran? Ouais, c'est vrai qu'on a pas d'écran. Si, on a l'écran Samsung. Ouais, mais c'est un écran de télé. Ouais, c'est un écran de télé, c'est vrai. Je crois pas qu'il y ait d'HDMI. Ah merde. Dans ce cas-là, il nous faut un écran. Il va nous rester, je pense, avec tout ce qu'il récupère, il va nous rester 100 euros. 100 euros, il nous faut un écran. Un atout, compliqué là. Salut mec, parfait, si t'as ça, est-ce que tu pourrais nous envoyer une petite photo du boîtier? Et on se tient au courant. Et là tu me dis, non je l'ai en double, mes parents sont séparés. Et comme dirait Greg Guillotin, nous sommes des plus de 10 000. C'est quoi les plus de 10 000? Ouais. Enfin, en mode c'est un riche quoi. Putain je suis mort le mec, clairement t'as dire qu'il est riche. Et qu'il s'en bat les couilles. Il m'a donné une Xbox, j'ai même pas demandé. Tu veux quoi? Alors... un Raspberry à 25 balles? Bon je te file une Xbox X. Salut mec, est-ce que tes parents sont aussi des plus de 10 000 et sont d'accord avec ça quand même? Est-ce que je pourrais avoir un message vocal de tes parents, leur autorisation? Du coup qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va quand même au mec avec son iPad? Ah bah ouais, si nous la donne. Ok. Et au pire on la revend, ça nous fera. Est-ce que... vous envoyez ça, d'accord?
d'accord? Comme ça, ils n'auront plus la possibilité de voir si vous leur envoyez des choses ou pas, ok? Quoi? J'avoue, nous, on est dans la merde, on vient de se faire. On va se faire spam. Attends. C'est du sabotage. Il a dit à tous ses abonnés de nous envoyer des messages privés Insta. Donc là, on va se faire spam. Ah ouais. Ouais, j'attends la merde. Putain, c'est fou. Ça, c'est des potes, ça? Ah, ça, c'est pas des potes, ça. Moi, je vois que de la concurrence, là. C'est dégueulasse. Donc, les gars, là, je suis avec monsieur le directeur. Et là, du coup, le top. Je sais pas ce que. Jusqu'à combien vous pouvez aller. Faites-moi. Non, après, j'ose pas, moi. Si, si, allez-y. Le top, ça serait la meilleure tablette et le siège. Gratuit. Ouais. Après, là, c'est une pub. Il y a 3 millions de personnes qui vont la voir. Ok, merci, monsieur. Si on a le siège, c'est fou. 225 euros. C'est le meilleur atout. Pardon, Marin, je l'autorise à vous donner ces papioles. Merci de votre compréhension. Bah oui, c'est pas son daron. On dirait les vieux trucs, tu sais, à l'école primaire. Enfin, genre, bonjour, je suis le père de Cyril. Et tu sais, moi, j'ai dû lui marquer un texte. Ah là là, JPP de mon père. Et bonjour. Bonsoir. Hey, comment ça va? La forme? Va, tranquille. Et ça te dérange pas de t'en séparer, ça va? T'as déjà essayé de faire tourner Shadow ou un truc comme ça ou pas du tout? Bah même sur les anciens Mac que j'ai, ça tourne donc bon. Ah merci beaucoup, tu nous aides tellement. 110 mais là je vais manger les patates pendant le jeu. Non mais d'accord, nickel. Le siège 110, on l'a eu à 20 euros. Même si on gagne pas ce concours, sache que je suis fier de ce qu'on a fait. J'avoue. Mais là le patron, heureusement qu'il était là. Bon, on vient d'arriver à la Redbox là, on a changé de voiture, on a pris la grosse voiture pour pouvoir mettre le siège dedans. Donc ouais, là on va à la Action. On va essayer de voir s'il y a un hub pour tout ce qui est la connectique, etc. Et après, on passe à Cash Converter pour récupérer le siège et la tablette. C'est là, là. S'il te plaît. Enfin, hub. Oh, c'est ça? Ouais, mais c'est l'USB normal, il faut l'USB-C. Ah merde, il faut l'USB-C. Ah ouais. Attendez, les gars, il y a quelque chose qui vient de tomber là. Si c'est encore bon, je peux peut-être envoyer un écran Asus d'une valeur de 250 euros. Si lui, il troll pas, on a quasiment fini en fait. Je vous repasse mon collègue que vous avez eu il y a 5 minutes. Ah, c'est Neoxy, Cyril, ça. Là, ouais, allô? Ouais, ça va ou pas? C'est Neoxy? Putain, c'est une blague, t'es vraiment à Pikachu là. Ouais, c'est moi. Si tu peux rappeler vers 19h15. Tiens, je te passe Jordan. Oui. Je recherche un mini PC par hasard. Un mini PC, je vais regarder si on a ça en stock. Là, j'en ai un devant les yeux à 129 euros. 129 euros, d'accord, très bien. C'est un volant, Jordan. Ouais, retour de force Xbox One, Xbox One PC. 458 Italia TX Edition. Je te le fais à 50. Ouais, non. Ah oui, oula, dis donc, grosse réduction. Je te le fais à 50, ça te va? Non, ouais, non, mais c'est bon, je vais partir sur autre chose. Eh ben, les gars, comment ça se passe de votre côté? Bon, en un seul mot, la merde, c'est la merde. C'est voilà. Bah nous aussi en fait. Ou peut-être que je mens et que ça se passe très bien. Bon en tout cas je vais pas trop rester parce que c'est la ligne à piquage quand même. Il y a peut-être des clients qui appellent la ligne. Ouais c'est vrai que. Bon, ouais, allez. C'est Neoxy? Ouais, c'est Neoxy. Comment il va? Ils ont pas l'air d'aller très bien. C'est... Ça, c'était quoi? C'était Apicache? C'était Apicache. Vas-y, de toute façon, on les appelle tous, hein, let's go. Hop. Non, c'est mort. Là, ça va, c'est bon. Ah, super. Regarde, ça, c'est notre nouveau bébé. C'est, c'est le troisième. Alors, j'ai des grands projets pour celui-là. Hop là. Ok, là, j'ai des projets. Hein. Vraiment, j'ai jamais vu ce socket là. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'un socket? Alors, le socket, en fait, c'est la base du procès de l'emplacement. Tu mets le processeur, tu vois. D'accord. Où est le processeur? Bah, il est sous ça. Après, moi, tu sais, moi, je suis tellement Shadow que tout ça. Ça n'a plus d'importance pour toi, moi. Tout ce qui est physique, c'est mort. Voilà, moi, je ne fais plus attention à tout ce qui est physique. Ça, j'en veux plus chez moi. Moi, je veux arriver chez moi, avoir une petite boîte ou mon téléphone et j'ai mon ordinateur. C'est possible ou pas? Pause. Effectivement, Jordan, c'est possible avec Shadow et ça me permet de placer cette petite voix off pour vous dire qu'à l'occasion de cette vidéo, on a mis en place le code le PC de l'ombre. Les 10 000 premiers qui l'utiliseront avec l'offre Boost de Shadow auront leur PC gaming activé avant Noël. En gros, c'est un accès anticipé, quoi. Voilà, c'est tout, désolé pour le dérangement, on continue la vidéo. Est-ce que vous pensez que Shadow tient là-dedans? Je vous pose la question. Je pense que ouais. Eh ben ouais, ça tient là-dedans. Est-ce que Shadow tient là-dedans? Eh ben ouais, ça tient là-dedans. Est-ce que Shadow tient... Et je vous pose la question là-bas, monsieur. Est-ce que Shadow tient là-dedans? Je pense. Eh bien oui, parce que Shadow est omniscient. Ah putain. Il est partout et nulle part à la fois. Oh, c'est fort. Je lance le hashtag est-ce que Shadow rentre dedans? Donc sur Twitter, mettez tous les endroits où vous pensez. Peut-être que vous avez un doute et que vous pensez que Shadow ne rentre pas dedans. Mais postez-le et l'équipe Shadow sera là pour vous répondre et vous dire si Shadow rentre dedans ou pas. On vient de se souvenir d'un détail qui n'est pas du tout négligeable. En fait, à la Redbox, on a encore le PC portable qu'un abonné nous a donné et la télé qu'il nous a donné. Et là, il ne manque plus que l'écran. Il ne manque plus que l'écran. Donc, on se dit, peut-être qu'on va retourner à Cash Converter. Peut-être que c'est sûr. C'est même sûr. On va retourner à Cash Converter avec l'ordi portable, avec l'écran. Et on va réessayer de négocier. Mais normalement, ordi portable et télé, ils devraient pouvoir nous donner un écran en échange. Ça devrait être largement possible. Un bel écran. J'espère.
Donc on va essayer de négocier ça. Comme ça on aura l'écran. Et une fois qu'on aura ça, bah on aura terminé notre setup. Il n'y aura plus qu'à faire le montage et on sera très très bien, je pense. On sera plutôt très worse. Ok, tentative, nouveau magasin. Cette fois-ci un Happy Cash. On prend un clavier moins cher, comme ça on peut prendre Une roquette. On prend un clavier moins cher, genre à 20 euros, celui-là il est pas mal. Hein. Il est en RGB ou pas celui-là? Ouais, RGB. Ouais, parfait, il est top celui-là. Ouais, il est parfait. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un écran ici à Happy Cash. Le magasin nous offre du coup tout l'équipement à côté, clavier, casque, souris. Donc pour nous, c'est une bonne affaire, comme ça on n'a pas besoin de dépenser pour tout ça. Et en plus, on a du bon matos, parfait. Et du coup, on va acheter un écran parce qu'il faut un écran qui propose de la 1080p. Donc il faut de l'HDMI, tout ça, donc ça coûte assez cher. Donc là-bas, il y en a un pas trop cher à 80 euros. Et du coup, on s'en sort très bien parce qu'on achète un écran, mais grâce à ça, on est full équipé. On a un bon équipement gamer, on a une bonne souris, un bon clavier, un bon écran. Et maintenant, il va falloir se pencher sur le PC parce que c'est quand même l'élément principal, quoi. C'est pas mal comme écran, mais un peu plus cher par contre. On va s'arranger. J'aime bien quand on s'arrange. Ça y est, on sort les billets pour la première fois de la journée. Vous êtes les premiers à qui nous offrons nos quelques PQ. Merci beaucoup en tout cas pour l'aide. C'est très sympa. Grâce à vous, on a un bon petit setup. Ouais, on avance beaucoup là grâce à vous parce qu'on était un peu dans la merde. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Il est 15h34. Tout va bien. Cela fait 2h30 qu'on est chez Happy Cash. On est toujours aussi happy, peut-être un peu moins cash. Mais pour l'instant, on teste le troisième setup avec Shadow. Maxime, c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. On fonce à Casto si jamais ça se passe bien. Oh, de fou. Attends, on a toujours pas d'écran. Hein. Ah, va falloir négocier l'écran. Normalement, c'est un PC relativement récent, il est Windows 10. Ouais, et puis il est capable de décoder du HD. Est-ce que Shadow rentre dedans? Oui, on l'a dit, ça rentre dedans dans celui-là de PC. En tout cas, moi j'y crois, là j'y crois. C'est quand même un PC incroyablement. Oh putain, oui. C'est quand même un PC éclaté au sol et ça marche. Ah oui, mais clairement, on va regarder ce ventilateur, on rappelle ici. Hein. Ouais, Shadow tourne sous là-dessous là. On a notre PC. Attends. Quentin, c'est combien là le. 90 euros. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non. J'ai réfléchi, on le prend. On le prend? Je réfléchis. Allez, aussi deux secondes, on le prend. Ouais Clem. Allô? Ouais. Ouais, ça va? Ouais. Ouais, t'es sûr que ça te dérange pas? Sûr, hein, parce qu'on s'est fait avoir par plusieurs abonnés, donc... Non, c'est bon. Ok, ça marche Clem, bah à tout de suite. Vas-y, à tout de suite, merci Clem, à tout de suite. Clem Boy qui carré. Et ça m'a l'air déjà beaucoup plus vrai, hein. Ok, on a trouvé un mec sur le marketplace de Facebook. Improbable, personne va là-dessus. Qui vend une Raspberry... Raspberry, j'arrive jamais à le dire, hein, de toute la journée. Et il est sur Angers et il nous a... C'est improbable, c'est ce qu'on cherche depuis vous habitez ce matin. T'appelles, cousin? On peut vous... On l'appelle. Je lui ai dit, on peut vous appeler tout de suite. Perds le pas, Valentin, perds le pas, c'est notre seule chance. Garde-le. Concentration, on appelle Joseph, c'est maintenant ou jamais le Raspberry. Hi, this is Paul Joseph, and I'm currently unable to take your call right now. Please leave your message. Ça va être sport, hein. Ça va être sport, hein. Voilà. Un bon accent. Ah, il a dit qu'il nous appelle dans 5 minutes. Bonjour, monsieur. Je nomme Joseph, Paul Joseph, pour le Raspberry Pi. Pour le Raspberry, oui. 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 À quelle heure vous serez disponible? 17h30. C'est possible, c'est 17h30. Oui, c'est possible, oui, bien sûr. Ok. I see that it is a third generation, so maybe we can make a deal, lower price for that. How much you are expecting? 35, okay. Actually, there is a noise, I will give you password. You can use that one, no problem. Otherwise, you can reboot anyone. Okay. Thank you. See you later. Ok, il va falloir, par contre, il va falloir rebooter le... Ouais, c'est ce que j'ai compris, hein. J'ai aucune idée de ce que c'est, tu sais, j'ai fait genre, ouais, c'est un troisième génération et tout, j'en sais rien. J'en sais rien. Pas ce qu'il va non plus, hein. Ça, on en a toujours entendu parler, mais je sais pas comment ça marche. Putain, on est les pires. J'ai économisé 10 euros, mais on pourra acheter des LED. Ouais, au moins on a un Raspberry, c'est déjà ça, quoi. Ah, non, Raspberry. Ok, j'ai un écran, je crois. Oh, allô. Comment tu vas, toi? Basile, on va pas se mentir, on est dans la merde. Ouais, je sais. Super, ces nouvelles vont vite. Est-ce que tu aurais possibilité de nous filer l'écran dont tu me parlais dans le mail ou pas du tout? Sans souci. C'est vrai? Dis-moi que t'es pas sur Quimper. Non, je suis à Écouflant, c'est juste à côté. Écouflant, c'est bon ça. En fait, on est à un point tellement dans la merde que est-ce que t'aurais la possibilité de nous livrer tel un Uber Eats d'écran? C'est vrai? C'est complètement ouf. Alors attends, en vrai, nous en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Castorama actuellement. Donc à ce moment-là, on peut se rencontrer à l'atoll en fait. Et comme ça, on fait la transaction. Écoute, je pense d'ici genre, 20 minutes, tu vois, je pense que c'est bon quoi. C'est très bien. Waouh. Du coup, je te dois 90 euros, c'est ça? C'est ça. Allez, c'est parti. Alors 90, tac, et tac. Oh là là, franchement, tu nous as mis tellement bien. On a une info qui vient de tomber. Vous savez quoi, les gars, je vous laisse lire. Bon, mon petit bousy chéri, je vais pas te prendre plus longtemps. Amixem m'a répondu avant. Il est passé il y a 1h30. Je t'aime quand même. Tu es et tu restes le meilleur youtubeur Fortnite.
mais t'es un sacré enculé. Non mais j'ai le seum. Mais on s'est fait prendre combien de fois par les abonnés là? Mais c'est même plus drôle. Peinture à la banque. On commence par ça, très bien. Là c'est toi là, mec, c'est toi là. Moi j'ai donné pour la partie technique. Moi je vois bien vraiment repeint en blanc. En blanc ça fait très futuriste, très gaming. Ok. Regarde-moi ça, ça te fait de la belle couleur. Hein. Regarde, on a un blanc mat là, le numéro 1. Quoi, attends, ceux-là j'ai déjà utilisé, elles sont pas mal. 12,95€. Oh fuck. En plus, il en faut beaucoup, je pense. Il y a le mec de l'écran qui est là. Je vais le voir, tu restes ici, tu fais tes petits choix. Ok, pendant que Jordan est en train de choisir les peintures, moi, je me dirige direction Basile qui est venu avec l'écran. C'est complètement ouf. Il nous a directement rejoint à l'endroit où on est. Comment ça va, les gars? Ils sont là, les héros du jour. Vous nous sauvez la vie, mais on est dans la merde, là. Qu'il est beau. Genre de tous les écrans que j'ai vus aujourd'hui qu'on m'a proposé, c'est le meilleur. Il est incroyable. Là, j'ai un poids énorme qui s'enlève de ma tête. C'est incroyable, les gars. Ces personnes sont incroyables. Elles nous sauvent la vie. Sans elles, on n'aurait pas d'écran. C'est quand même compliqué pour ce challenge. Ce plan est fou. Au revoir. Vous êtes adorables. C'est un bonheur. Ils vont nous voir débarquer avec encore du nouveau matos à vendre. Là, ils vont péter un plomb. On a ça et ça. À voir combien tu reprends. Collègue de tout à l'heure. Il m'en reste plus qu'un. Parce que l'autre est parti. Qui était à 60, il est parti. Il a combien l'autre? À 179. Ah. Et là, tu crois ça, que... Un Yamaha, comme ça, c'est un gros gros. Ah oui. Faut qu'on trouve une idée pour la customisation. On trouve l'idée, là, dès qu'on a l'écran, on fonce à Intermarché, un truc comme ça, et on custom. Tu crois qu'on a encore de l'argent pour custom? Il nous reste 20€, non? 20, 30, non? Avec custom, on fait un truc tranquille, hein. J'ai encore un petit peu de... 26, ouais. 26€ pour la custom, c'est large suffisant. Mais on n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée, donc c'est ça le problème. Incroyable. Et regarde. Il est incroyable. Il est incroyable. Et quand on va le custom, il va être fou. Et en plus... Il va falloir le peindre aussi, hein. Il se tourne. Il va falloir le peindre aussi, Max. Bah oui, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Blanc, tout blanc? Blanc, c'est cool. Blanc, c'est cool. Blanc, c'est cool. On pourra faire des jeux de lumière et tout. On reste sur du blanc, alors. Pas ouais. Du rouge, rien d'autre. Du rouge brillant. Rouge brillant. Allez, go, c'est parti. Bon, là, j'avoue que le stress commence un peu à monter, là. Je sens qu'on n'a pas d'atout pour l'instant pour notre setup. Et pendant qu'on marche et qu'on est un petit peu stressé, n'hésitez pas à précommander votre Shadow. Il est actuellement disponible dans la description. Enfin, pas votre Shadow, mais en tout cas le lien pour aller vers Shadow. Et avec le code PC de l'ombre, rapport à Shadow, qui veut dire ombre en anglais, les premiers qui utiliseront ce code auront leur Shadow d'activer avant Noël. Donc profitez-en, c'est dans la description. On est pressé, hein. On est pressé. Mais faites-le. Super, merci. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, ça. Oh, on est très bien. On est très très bien. Emballé, c'est pesé. On est bon. Là, c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant ou jamais. C'est là qu'on va voir la puissance de notre communauté. Et là, il va y avoir personne. S'il y a quelqu'un qui est resté. Ça va tranquille? Alors, il y a personne qui est venu avec du matos. Waouh, si, mais c'est fou. Oh, what? Bon, alors concrètement, on est un peu dans le caca, on va pas se mentir. Ouais. On est un petit peu en retard par rapport aux autres équipes. Qui va nous sauver? Qu'est-ce que vous avez pu apporter? C'est vrai? Ouais. Waouh, ok. Oh, bah, la vie, c'est incroyable. Ouais. Il est incroyable. Yep. Il est incroyable. Mais c'est fou. Mais c'est trop gentil en vrai. Ok, c'est fou. C'est fou. Et s'il y a des enceintes. Ça, on n'en avait pas. Enceinte, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça nous sert plus. Donc... C'est ultra oui, très gentil. Cool. Ça, c'est un atout. Ouais, ça, c'est un atout. Là, c'est un atout. C'est trop gentil. Moi, c'est câble HDMI et câble USB. Super! C'est exactement ça. Ce qui nous manquait, c'est vraiment! C'est un truc de besoin, ouf! C'est magnifique! Merci infiniment! J'ai calculé le total, ça me fera payer juste 110€. Ouais, okay. C'est marche. Ok, génial. Dans l'idée, on fusionnait le PC portable et la télé contre l'écran à 140€. Mais c'est pas que dans l'idée, c'est même dans la réalité. On a tout niqué là! Ça y est! On l'a! On après une journée de dur labeur, on a le Raspberry. On sait pas si ça va marcher. Ouais, alors mais on l'a. Donc là, il va falloir qu'on le boot sans doute sur Android. Ouais. Parce que Windows 10 ça a pas passé. Donc là, on va vraiment passer une soirée de merde. Ouais, c'est vraiment des problèmes que les autres n'ont pas. Les autres équipes n'ont pas ce genre de problème, je pense. Maintenant, on va se permettre un petit luxe qui est très important. Un petit surplus. Un petit surplus, c'est quand même la décoration. Ouais. Que les autres n'auront peut-être pas fait, du moins je l'espère. Voilà. Parce qu'on a du bon matos là. Faire un truc, on va mettre un petit plus. Faire un truc propre quoi. Un truc épuré et tout, avec des petites LED, des petits gadgets cactus, à mettre à côté. Des petits cactus. Des petits trucs cool quoi, des petits trucs jolis. Gros, regarde, regardez. Il y a un abonné qui vient de m'envoyer ça. C'est incroyable. What the fuck, mec? Un boîtier. Mais mec, c'est à toi que je viens de répondre par mail. Jordan, c'est le mec à qui je viens de répondre par mail, le mec. Quoi? C'est le regard. What? What? Je veux des applaudissements pour cet homme. Oui, des applaudissements. Wow, mec. What? Ça, c'est incroyable. Il est magnifique, ce boîtier, vraiment, quoi. Il est incroyable, hein. Non. Oh, il est dingue. Ah ouais. Il est fou, il est fou. Mais tu nous fais gagner, là. Ah ouais. Conscience de la puissance. Tu nous offres la victoire, là. Tu nous offres, en fait, une pub à la télé. Mais tu peux, là, ouais, grave. C'est fou, oh là là, c'est incroyable. Mec, c'est un bonheur.
j'adore ce que tu fais là, viens là, viens là. Mais mec, ah, allez, vas-y, tu te rends compte que tu nous fais gagner. Allez, putain, on a gagné là. J'adore les cheveux bouclés en plus, putain. Eh ben top, merci à toutes ces personnes dont certains ont donné des trucs de ouf quoi. Je vais essayer de réfléchir. Pour ça, il faut que je me mette dans une position délicate et agréable. Végétation. Végétation, faut proposer à Max. J'ai fait confiance, gros. J'ai fait confiance. Ah, ok. On a tout ce qu'on veut en termes de plantes, en termes de décoration florale. Wow, les petites fougères. Voilà, okay, regarde, c'est pas beau là. On est pas beau. Ah ouais. Il y a de la mousse, mais mec, pourquoi on fait pas de la mousse? Mec, c'est 10 euros, c'est trop bien. Les 30 derniers euros. Moi, ma grosse crainte, c'est de faire rentrer ce fucking setup de 1999 dans ce boîtier de 2019. J'ai très peur. Et ça, ça va reposer sur mes épaules, tandis que le design va reposer sur les épaules de Jordan. Du coup, les potes, ça y est, on vient de récupérer tout ce dont on avait besoin. Tout est dans le coffre, tout est passé. Du coup, Michou, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un setup complet, on a un setup magnifique. On a le siège gaming qui est juste là, l'écran dans la caisse, on a la tablette, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, ouais. Là, ce qui nous manque, c'est la partie déco. Donc, on va aller à Carrefour, on va voir ce qu'il y a. Et selon ce qu'il y a, on verra ce qu'on fait comme déco. Messieurs, dames, nous sommes actuellement en train de rentrer à la Redbox, il reste 13 minutes, on devrait y arriver sans problème. Oui, c'est bon. Mais quand même, toute cette aventure a mené à quelques minutes avant la fin du temps imparti. Là, on a vraiment suffisamment de matière pour avoir un setup complètement ouf. Ou ouais. Quand on va le dévoiler demain, j'ai vraiment hâte de voir la gueule des autres équipes. Ils vont se dire j'ai hâte. Tout ça encore une fois sur la chaîne de Jordan. Deuxième épisode sur la chaîne de Jordan qui va être... L'épisode de Jordan, il va être complètement fou. C'est bon pour vous? Je rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Shadow, qu'il y a le code, le PC de l'ombre, qui est utilisable sur, il s'affiche actuellement sur votre écran, qui est utilisable sur le site de Shadow pour tout simplement en fait précommander votre Shadow et l'avoir avant Noël. Parce que ceux qui n'utiliseront pas ou ceux qui ne seront pas dans les premiers, vous n'aurez pas votre PC tout de suite puisqu'il y a tellement de demandes que du coup, ça prend un peu plus de temps. Donc du coup, si vous voulez être sûr de l'avoir, utilisez ce code. Les offres s'affichent actuellement sur votre écran, c'est que dalle, faites-le, parce que c'est fou. Et vous allez voir, ça marche. Enfin, vraiment, là, on va transformer des PC éclatés au sol en PC de compétition. On se dit à tout de suite pour le débrief avec Julien Lepers. Ça continue après 8 heures de recherche, 8 heures de chasse et 8 heures d'exploration. Nos candidats, nos trois duos, ont-ils réussi à trouver tous les éléments informatiques dont ils auront besoin pour la confection de leur meilleur setup? C'est le moment de le savoir. Ils sont là! Allez, Amixem, c'est parti! Oui, bien sûr! Joyka, comment ils vont? Ça s'est bien passé? Ça va toujours, Julien? Oui, ça va, ils ont le sourire, visiblement. Mais bien sûr, Cyril. Bien arrête, Noxy, je sais que c'est toi. Michou, comment il va? Ça va, le bousé aussi? Bon, ils ont tous le sourire, visiblement. Ils sont contents. Alors, je vais donner la parole à chacun. Vas-y, Amixem, un petit mot. Écoute, c'est simple, on est rentré 5 minutes avant la fin? À peu près. Et nous, vraiment, on a pris 7h55. Voilà, c'est ça. Ah ouais? Voilà, donc c'était très très chaud. Et il y a eu des retournements de situation jusqu'à la dernière minute qui nous ont sauvés. Ah, donc on est beaucoup plus confiants qu'il y a une heure. Cyril, vas-y, Cyril. Ah bah nous, une épopée. On va appeler ça l'épopée des 500 grammes. C'était, j'adore. L'épopée des 500 grammes. Ah, mais... Là, tu vas t'en souvenir toute ta vie. 500 grammes. Les 500 grammes nous ont beaucoup marqué. Ouais. Bon, ça s'est passé comment, Noxy? Ça a été compliqué, très compliqué. Mais je pense qu'on s'en est bien sortis. Je suis confiant. Tu dis que 500 grammes, c'est possible? Ah, c'est possible. C'est fou, ça c'est un truc de ouf. Je pensais pas ce matin. Ouais. Michou. On a pris du temps à s'activer. La preuve, on est arrivé en retard. Je crois même qu'on a pris un malus à cause de ça. Ça fait mal. Mais je me dis que c'est un retard justifié parce que dans cette caisse, il y a la victoire. Oh. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans cette caisse. Le bouseux, tu souscris? Non, j'ai pas regardé. La victoire est dedans, ça c'est sûr. Je peux sous-peser la victoire pour être sûr. Il y a une victoire là, mais fort. Faut être plusieurs. Ah ouais. Oh. Attendez, on regarde pas. Il y a un truc. Vous avez donc rassemblé l'ensemble des éléments. Vous êtes maintenant prêt pour la deuxième partie de ce challenge. La deuxième partie, c'est le montage. Il faut monter tout ça maintenant. La suite de la compétition sera découverte sur la chaîne de Joyka. On assistera à une série d'épreuves. L'équipe qui les passera avec succès remportera le titre du meilleur setup gaming. Et pourra faire de la pub, on en a parlé tout à l'heure, mais je recommence, pour sa chaîne en prime à la télévision. Ça vaut cher, ça. Intéressant, ça. Messieurs, je crois que j'ai tout dit, on a tout dit, on a envie d'y aller, on a envie de continuer, messieurs, que le meilleur gagne. On se retrouve donc dès demain sur la chaîne de Joyka. Il est ici. Et pour ce montage, le montage du meilleur setup gaming, 3, 2, 1. Ah, départ ! Vas-y, débouche. Vas-y. On est bloqué. Oh mec, j'ai dit peur. Il est pas un truc bien, mais je t'avoue que la déco, ça va être un peu la... Mec, s'il démarre pas l'écran, il y a des entrées là-dessous. Hey, là on est en craquage complet. Hein. Le nom du grand gagnant du duo gagnant dans cette compétition, c'est...